La PMA pour les femmes seules et les couples de femmes, ben, concrètement, elle signifie pour l'enfant la privation légale de père. Je suis Aude Mirkovic, maître de conférence en droit privé et directrice juridique et porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance. Il faut réaliser déjà que la PMA, y compris la PMA actuelle, pose déjà de graves difficultés au regard des droits de l'enfant. Qui a pris la peine de réfléchir un instant, par exemple, à la congélation des embryons? Ces petits êtres humains dont le développement est suspendu dans le temps pendant des mois, parfois des années. Voilà une fratrie dans laquelle les enfants ont 14 ans, 10 ans, 8 ans. Et en réalité, ils ont tous été conçus le même jour. Hein, donc, il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour prévoir que certains de ces enfants, devenus adultes, eh bien, demanderont des comptes. Et cette congélation des embryons pourrait raisonnablement être caractérisé comme traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. La PMA, y compris la PMA actuelle, engendre des risques médicaux importants pour les enfants, notamment la fécondation in vitro, en raison du stress cellulaire qui est occasionné par les manipulations et par les chocs de température, notamment lors de la congélation. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la fécondation in vitro emporte un risque chez les enfants deux fois plus élevé de malformations cardiaques, deux fois plus élevé de risque d'autisme et deux fois et demi plus élevé de cancer infantile. Et puis vous avez aussi la PMA généralisée, donc y compris pour les couples hommes-femmes fertiles, qui fait passer l'humanité de la procréation à la production de l'humain, hein, production qui va devenir industrielle et qui fait de l'enfant, comme le dit le Conseil d'État dans son rapport, le produit de technologies scientifiques. Et voilà qu'on va réintroduire en droit français. Des enfants qui seront interdits de père par la loi, pas par les malheurs et aléas de la vie, par la loi, par le code civil, qui leur interdira de rechercher leur père. La Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été adoptée dans le cadre de l'ONU et qui a donc une valeur supralégislative, supérieure à la loi française, elle pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Alors comment est-ce que le fait d'effacer délibérément la lignée paternelle de l'enfant pourrait être compatible avec ce droit Si le droit de l'enfant à connaître ses parents doit être compris comme le droit pour l'enfant de connaître ceux qui ont décidé d'être ses parents, on comprend bien que le droit de l'enfant est vidé de sa substance et qu'il est détourné et transformé en réalité en droit de l'adulte à obtenir l'enfant qu'il souhaite. Euh, si un couple homme-femme fertile se dirige vers la PMA, c'est pas pour avoir un enfant sans plus, qui peut faire tout seul. C'est pour avoir tel enfant qui correspond à tel projet. Mais là encore, il faut réaliser que l'eugénisme, qu'on le veuille ou non, est intrinsèquement lié à la PMA. Et c'est encore Jacques Testard qui l'explique très bien, c'est-à-dire que la PMA suscite des situations de choix. Et à partir du moment où on choisit, eh bien forcément on sélectionne. Quand il faut choisir un donneur. Il faudrait vraiment être complètement idiot pour prendre un donneur qui a un dossier médical chargé d'antécédents génétiques dans sa famille. Et avec la généralisation de la PMA, bien sûr, on va passer à la vitesse supérieure, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui recourent à la PMA veulent avoir l'enfant qu'elles n'arrivent pas à avoir seules ou éviter de transmettre une maladie grave. Donc il y a déjà une forme de tri, hein, mais qui est limitée. En revanche, une fois que tout le monde a accès à la PMA, donc y compris des couples hommes-femmes fertiles, eh bien cette fois-ci, si on recourt à la PMA, c'est pour programmer non seulement l'enfant qui est indemne de, de toute une série de maladies, mais en plus de sélectionner plutôt tel enfant sur des caractéristiques qu'on recherche. L'objet réel de ce projet de PMA, c'est la filiation. Hein. C'est d'obtenir l'interdiction légale faite à l'enfant d'avoir son père. Alors même le jour où le donneur sera connu, puisque le projet de loi prévoit la levée de l'anonymat, même si le donneur est d'accord, que l'enfant le veut, il sera interdit d'établir un lien de filiation. Quel progrès Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est déjà une injustice pour les enfants concernés, mais au-delà de ça, c'est une évolution qui concerne tout le monde. Parce qu'on a beau marteler que cette PMA étendue aux couples de femmes ne change rien, ça n'est pas vrai. Cela change le sens de la filiation. Parce que la filiation découle de l'acte de naissance qui nous dit de qui nous sommes nés, mais lorsqu'on a deux femmes sur l'acte de naissance d'origine de l'enfant, la filiation ne peut plus dire à chacun de qui il est né, pas même de façon symbolique. Par conséquent, la filiation change de sens, et finalement, la filiation se retrouve réduite à une relation d'éducation. Elle veut indiquer à l'enfant qui sont ses responsables légaux. Mais c'est un appauvrissement pour toute la population. Parce que les parents sont bien plus que des responsables légaux, des tuteurs comme les autres. On a affaire à des enfants dont la filiation paternelle est effacée. C'est pas que la case père est vacante, c'est que la case père est évincée de leur histoire. Ils sont amputés d'une branche de leur généalogie. Sur la pluriparentalité, euh, oui, en effet, euh, à titre personnel, je vous le dis, monsieur Breton, je ne vois vraiment pas quel est le, quel est le problème. À partir du moment où l'on dit que la filiation n'est pas biologique, mais que c'est un projet, que c'est culturel, que c'est une construction sociale, pourquoi trois personnes ne seraient pas tout aussi à même que deux à assumer Alors à partir du moment où la filiation est déconnectée, détachée de la réalité charnelle de l'engendrement de l'enfant, à partir du moment où la filiation repose sur l'intention, la volonté de l'adulte, sur le projet parental, que se passe-t-il eh bien, en effet, le nombre des parents est quasiment illimité. Parce que c'est la biologie qui désigne les parents au nombre de deux maximum. Mais le projet parental, lui, l'investissement affectif et éducatif auprès d'un enfant, il peut concerner une seule personne, ou deux, ou trois, ou quatre. Hein, euh, aux États-Unis et au Canada, euh, on a déjà, de façon courante, des enfants qui ont trois parents. La PMA pour les femmes est revendiquée au nom de l'égalité. C'est-à-dire qu'on considère qu'une femme seule ou en couple de femmes, est discriminée, elle subit une inégalité par rapport à une femme qui a un mari qui elle peut avoir des enfants. Si les différences naturelles sont vécues, sont pensées comme des discriminations, comme des inégalités, alors dans ce cas, la situation d'un homme ou de deux hommes qui ne peuvent pas porter un enfant, et même l'engendrer tout seul, et qui ne peuvent pas le porter en l'occurrence, eh bien elle sera forcément considérée elle aussi comme discriminatoire. On verra là une inégalité à laquelle il convient de remédier, et le moyen, c'est la GPA. Donc, oui, de fait, euh, la promesse qu'après la PMA, il n'y aura pas de GPA, elle sera impossible à tenir. Le Code de la santé publique actuel dit clairement la chose suivante La conception d'embryons transgénique ou chimérique est interdite. Donc, les embryons transgéniques, ce sont les embryons génétiquement modifiés. Les embryons chimériques, ce sont les embryons qui sont un mélange de cellules humaines ou animales. Eh bien, le projet de la bioéthique supprime cet article. Pourquoi supprimer cette interdiction si c'est pour ne pas faire ensuite des embryons transgéniques ou chimériques? Alors, on a vu des débats, dans les débats, des discussions. Ah oui, mais pas de problème, on pourra seulement introduire des cellules souches humaines dans des embryons animaux jusqu'à 50%, pas plus, 10%, 50%, 60%. On franchit cette barrière des espèces et c'est une transgression majeure qui est extrêmement risquée pour, pour l'humanité. Donc, quelles que soient les modalités, le simple fait d'accepter de fabriquer ces chimères est un passage qu'il convient de refuser pour la survie de l'humanité. Voilà, donc il faut avoir conscience de ces conséquences-là. Si c'est la société dont nous voulons, eh bien allons-y. Mais si ce n'est pas la société dont nous voulons, il est encore temps de le dire.